Quelque chose qui, qui. Au moment où je dé découvre. Euh, au moment où je prends la décision de faire un. Euh, C'est un gros investissement, une grosse décision. Mon doctorat et ma recherche. Quand on pense que ma maîtrise m'avait pris tant d'années et tant d'efforts, je me lançais dans un doctorat, ça allait être assez compliqué. Si je prends la décision de le faire sur les camionneurs, mais là, il y a aussi un élément de cohérence. Là, je reviens en boucle à, pourquoi les camions? Quelqu'un pourrait dire, vous, vous, vous connaissez tout sur les, les Amérindiens, vous faites un doctorat, vous venez de faire une maîtrise, vous allez faire un doctorat là-dessus, c'est assez évident. D'une part, je ne suis pas parti dans un autre domaine, pour moi, ça restait le nomadisme. Ça ça, ça, C'était encore quelque chose. Et puis, ce qui m'intéressait chez les Inuits, c'est beaucoup la vision du monde et l'état d'esprit, l'imaginaire. Donc, j'étais dans les mêmes eaux. Euh, voici, ce ne sera pas des Inu, mais ça va être n'importe qui. Ce, ce sera, euh, mais c'est dans l'imaginaire, puis c'est le nomadisme, puis, et c'est le voyagement, puis c'est la mobilité. Quelle était la source de ma sensibilité au camion? Bien là, il faut que je revienne à, à, à mon enfance. Euh, Bon, J'ai dit plutôt que j'ai découvert l'anthropologie par le bon bout, c'est-à-dire par le goût de l'émerveillement, de la passion, puis de la naïveté, et de la simplicité. Vous vraiment l'anthropologie. J'étais adolescent. Mais jeune, euh, j je peux dire que j'ai eu une enfance assez heureuse, mais j'ai été élevé dans l'est de la ville de Montréal. Il faut connaître l'est de la ville de Montréal en 1950. Euh, C'est huit raffineries de pétrole. C'est deux cimenteries. Euh, c'est l'Union Carbide, c'est la Noranda Copper, donc on est dans la pétrochimie. C'est pas croyable. Le, 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 taux de, le taux de pollution, le, le ciel est, est orange toujours. Tu sais, moi, quand je vois des films fiction catastrophe sur la Terre qui est en train d'étouffer, j'ai tout vu ça dans ma jeunesse. Moi, je sais exactement c'est quoi, moi, crever. Notre espérance de vie, c'est à peu près de 32 ans, tu sais, 25 ans. On est élevé là, avec la pollution sur le fleuve. Euh, ils rejettent pétrole directement dans le fleuve. Euh, les, le mot écologie n'existe pas, le mot environnement n'existe pas. Euh, voyons donc. Ce qui existe, c'est la bonne humeur économique, la prospérité économique. Tout le monde est content, il y a des jobs. Tout le monde est content. Et euh, il y a beaucoup de camions dans mon environnement. Des camions, on appelait ça des camions d'huile. Il y a beaucoup de camions remorques dans et il y a beaucoup de camions remorques dans ma famille. Mes oncles, je, je, mon père. Euh, les camions, c'est ma culture. Ça. Les voitures, les camions, les gros camions. Et les gros camions m'ont fasciné depuis que je suis petit. Là, je revois des gros camions, je vois mes oncles qui viennent à la maison. Mon espoir de monter dedans. L'espoir qu'ils puissent, l'été, nous amener faire des, des, des voyages avec des gros camions. C'est des gros camions des années 50, là, avec des formes rondes, là, un design assez particulier. C'est tout un monde, qui est le monde du camionnage. Puis je rêvais quand j'étais petit, y a je rêvais de certaines choses, j'étais très rêveur. Bien, bien des, des enfants peuvent se reconnaître, là, mais je peux dire aujourd'hui, je, je rêvais à ça, 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 ça. Et c'est facile à reconnaître, un psychologue me dirait, parce que vous rêviez d'évasion. Bien sûr. Pris dans Pointe-aux-Drames, dans les raffineries, j'ai rêvé. Un de mes premiers rêves, ça a été de devenir un ermite. Donc de vivre sans aucun lien, seul dans le bois. J'adorais l'idée, le concept, l'image du bois sauvage, de la sauvagerie, wilderness. Et j'ai eu cette chance quand j'étais petit que ça existait. La chose existait encore. J'ai eu la chance de vivre jeune dans un monde où la sauvagerie existait encore. Je pouvais regarder une carte. Je regardais une carte de la province de Québec. Puis je voyais toutes ces zones vertes où il n'y a pas de village, sans aucun village, juste des noms de lacs et de rivières. Puis c'était toujours en général, c'était vert, vert, vert. Le reste était jaune, c'était d'autres couleurs, mais c'était tout vert. Puis là, je disais, il y a des Indiens là-dedans, puis c'est sauvage, puis c'est dans un monde sauvage. Puis évidemment, le, le, le petit gars qui est élevé sur l'asphalte, puis dans les odeurs de pétrole, puis dans le gravier, puis dans la poussière de ciment, il rêve de régions sauvages. Bon, je voulais être ermite. Pas d'amis, pas d'amour, juste lié aux animaux. Je me lève le matin, caman à Ouaron. Pas d'électricité, pas rien, puis etc., etc. Puis je me... Je voyais même mourir tout seul, sans personne, pour me pleurer, Mais Mais j'ai pas réussi à devenir ermite. Ça, c'est un rêve que j'ai pas fait. J'avais beaucoup trop d'amis, beaucoup trop d'intérêt dans la vie pour devenir ermite. Mais j'avais rêvé, comme tous les... Nous autres, tous les jeunes de l'Est de Montréal, c'est toujours la même chose, c'est toujours... des archétypes. Moi, je voulais être gardien de but pour euh, les Red Wings de Détroit. Ça, j'aurais donné ma vie pour être gardien de Bible et Red Wings et tout. Bon, ça, c'est un autre rêve, mais il ne s'est pas réalisé, lui, non plus. Euh, je voulais devenir euh, camionneur au long cours, seul au volant de mon camion, s'il y en Amérique. J'en rêvais. Sauf que mon père savait que je rêvais de ça. Et comme mon père savait, ça voulait dire quoi? C'était très clair que c'était interdit de même songer, rêver à la chose. Tout dit, dans sa tête, jamais mes fils ne conduiront des camions, puisque je sais ce que c'est. Mes oncles le faisaient, lui il faisait, il ne touche pas à ça. Donc, il y avait un interdit là-dessus. Puis, comme je disais, je rêvais de devenir anthropologue, j'ai même rêvé, plus jeune encore, je rêvais de devenir écrivain. Puis, je vais vous surprendre, j'ai rêvé de devenir écrivain. Je me souviens d'avoir écrit un petit livre avec des lettres carrées. Il y avait 9 10 pages. Mais Je vous raconte une anecdote qui est très, très drôle. Elle avait, mon, mon livre avait 9 10 pages. Je m'étais amusé de faire des... De, 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 de reproduire le livre avec des, 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 avec des cordes, des collants. Puis, en fait, c'est un petit livre. un Tirage, un exemplaire. C'était les, vous le croirez pas, ça s'invente pas. C'était les aventures de Tim Horton. Euh, à l'époque, les jeunes ne le savent pas. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, enfin, peu. Tim Horton est un personnage qui existait pour vrai. Ce n'est pas juste une chaîne de bang. C'est pas juste. Un... C'est un homme qui jouait au hockey pour les Maple Leafs de Toronto. C était beau garçon, pis, etc. Puis il on avait des cartes de hockey. Puis moi, j'avais adopté Tim Horton comme héros de ma vie. Alors je fais les aventures de ce, de ce monsieur, sans savoir que dans ma vie apparaîtrait ce, ce logo, qui est Tim Morton qu'on aurait à tous les coins de rue, qui remplace, enfin, Tim Horton. Donc je voulais être écrivain. Un petit gars, là, il veut être écrivain. Et plus tard, vers l'âge de 14 ans, je voulais être animateur de radio. Alors, vous voyez le compte? Je vais être anthropologue, animateur de radio, écrivain. Ça, je l'ai réglé. Ça, ça s'est fait. Camionneur, gardien de nuit des Red Wings et des Trois, ça n'a pas marché. <laughs> Ni ermite. <laughs> Donc, je, je <laughs> euh, ça vous indique que j'étais un, un, un vrai rêveur. Euh, le moteur de ma vie, c'était le rêve. Ce n'était pas du tout euh, de, des motivations. <laughs> C'est un vrai fou. Là. Je, je, je rêvais. Mais chez moi, on est dans l'est de la ville, on est une famille sans ressources, euh, on n'est pas riche, évidemment, euh, on n'est pas riche. Mais il y a eu une originalité immense dans ma jeunesse. C'est mes parents, ma mère. 1950, Canada français catholique. Ma mère est anticléricale, athée, et elle haït les curés pour les tuer. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un curé, il n'y a pas une soutane qui peut approcher de la maison. Elle nous élève dans cet esprit que la religion, c'est une fraude, c'est un immense mensonge. Et que les plus grands bandits de la terre, c'est le Vatican. Elle, en a, elle a ciblé le Vatican. Et dans sa tête, le pape, c'est le démon. Et je me souviens très bien des années 50, à la mort de Pidouze. On était à l'école primaire, on était à l'école. Et puis dans l'avant-midi, ils nous annoncent, on a une très épouvantable nouvelle à vous apprendre de Pidouze et mort. L'école est en deuil. Puis, ah, tout le monde. Puis nous, on retourne le midi, mes frères, on retourne à la maison. Et j'arrive à la maison pour dîner, parce qu'on mangeait, on allait à la maison pour manger. J'arrive à la maison pour dîner, ma mère a dit. Était contente, avait été tout sourire, puis elle disait Il est mort le cœur. Puis elle nous avait fait des sandwichs, pas de croûte, puis on avait un coke. On avait une fête pour la mort du pape. À la Maison, à pointe trop dans l'est de la ville de Montréal, il y avait une petite famille qui fêtait la mort du pape. Bon, on était <laughs> élevés comme ça. Bon, on était élevés comme ça. Mais là ne s'arrêtait pas le discours de ma mère. Ma mère euh, elle en avait contre la religion, elle en avait contre le système économique. Euh, on elle était pauvre donc elle haïssait les riches. Puis elle nous disait c'est tout riche est suspect. Elle nous élevait comme ça autour de la table. Méfiez-vous des gens c'est pas parce qu'ils sont bons c'est pas parce qu'ils sont meilleurs c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents c'est parce qu'ils sont des voleurs. Tout riche a fait ça sur son argent sur les pauvres. Et si les pauvres existent c'est parce qu'il y a des riches. Et s'il n'y avait pas de riches il n'y aurait pas de pauvres. Elle était en train elle n'avait pas lu Marx. Elle, mais Elle nous expliquait. Autrement dit, à l'âge de 11 ans, nous autres, on savait c'était quoi le capitalisme. On savait c'était quoi la fraude de la religion. Puis ma mère haïssait les hommes pour les tuer. Alors, elle n'arrêtait pas de chialer contre les hommes. Les hommes, ils ont ci, les hommes, ils ont ça, puis nous autres, on n'en a rien, puis les hommes, ils ont ci, puis c'est des maudits. Puis tout, ça. tout ce que j'ai entendu dans ma vie de, de lutte féministe, ma mère, elle avait ça en résumé en cinq minutes. En te, en te préparant des œufs. Donc, elle avait réglé le cas des hommes, des prêtres, des riches. Ça vous donne une atmosphère à la maison. Ben, donc, ma mère, puis elle était athée hein, au, euh, au dernier degré. Fait que elle... Donc, moi, quand j'ai vieilli, puis j'ai rencontré des gens qui m'ont dit Savais-tu qu'on se fait fourrer par les riches? Les marxistes des années 67 qui découvraient tout d'un coup que, que, que quand tu travaillais, tu te faisais fouiller par les patrons. <laughs> puis je regardais, puis je me disais, on savait ça quand on était petit, voyons oui, donc, n'a pas commencer à faire la révolution parce qu'on est au courant de ça. Il y a pas, autrement dit, ce que ça voulait dire, même sur le plan théorique, ça voulait dire que tu réponds quasiment à Marx, puis tu dis, bien, sur le plan de l'idéologie, Marx, Arrête de penser que les travailleurs ne le savent pas. Tu n'as pas besoin d'aller dire aux travailleurs qu'ils se font fourrer. Voyons, non, ils sait. Tu sais, sur la, la, la question de l'aliénation, de la question de. Penses-tu que le travailleur ne sait pas qu'il se fait avoir? Alors là, c'est une, une approche. De, une, dans, mes parents m'ont donné une, une approche humaniste et critique, une lecture critique très différente. Ils ne croient pas en société. Ma mère ne croyait pas en société. Elle pensait que c'était un truc. Mon père était pire, mais mon père, il ne le disait pas, lui, ça ne l'intéressait pas. Le pape, le pape ça l'intéressait pas. Euh, donc, chez nous, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de messe, il n'y a pas rien. Mais mon père, il est six fois pire que ma mère, parce que lui, c'est un menteur, fabulateur. Il n'est pas sur terre. C'est comme le, le monsieur de la vie est belle, le, film, le fameux film italien, là, quand il raconte à ça, il est en il raconte à son fils dans le camp de concentration là, que c'est un jeu. Mon père était... Je ne suis pas capable de voir ce film-là sans pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne suis pas capable de le voir, le film. C'est mon père. Il nous parlait, il nous racontait. Il n'a jamais dit la vérité. Il n'était pas sur Terre. Il n'a jamais été sur Terre, mon père. Ce qui lui a permis d'être heureux toute sa vie, de, la... de sa naissance jusqu'à sa mort. Il est mort heureux, il a toujours été heureux. Il n'était pas là. Alors, il nous racontait le monde à l'envers, tout croche. Il nous disait n'importe quoi. Et on a été élevé sans principe, sans pression. Avec un père comme ça, c'est fabuleux. Je le recommande à tout le monde parce qu'il était tellement drôle, il était tellement relax, il était tellement détendu, il était tellement. Euh, c'est un conteur aussi. Puis il, il comptait. Tu sais, quand il commençait à compter, il fallait que tu l'écoutes. Tu savais que c'était faux. Mais il fallait que tu l'écoutes, juste pour l'esthétique de la chose. Et puis mon père c'était un homme comme beaucoup d'hommes dans l'ancien Canada français. Donc ils ont été mal compris ces hommes-là. Tu sais, euh, mais lui il avait pas d'éducation. Des fois aujourd'hui, aujourd'hui je, euh, je rencontre, je travaille avec Boucard on se parle tous les deux, puis il me parle de son père. Puis, je disais Boucard, ton père? Quand il parle sur le baobab, puis il fait toutes sortes de mauvais proverbes, C'est exactement comme mon père Puis je dis On est deux frères finalement. Même si c'est noir comme la cire à chaussure, mais on est, deux, on est deux. Deux frères. Ton père ne savait pas écrire, puis il parlait sur le baobab. Mon père, mon père ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Puis il faisait de la sagesse par, par l'absurde. Ce qui fait qu'on a été élevés avec une haute intensité humaniste. Chez nous, c'est un laboratoire de, 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 de l'absurde, un laboratoire de la condition humaine, un laboratoire de la sensibilité. Ma mère était très intelligente, c'était un autodidacte. Puis elle était très désagréable, hein. ma, ma mère. C'était pas une femme fine, elle était pas gentille du tout. Euh, et elle, elle nous a terrorisés toute notre vie pour une seule raison, c'est que si tu crois pas, elle n'avait pas de religion, elle en avait une, elle avait une religion, l'éducation. L'éducation. Alors, chez nous, c'était des livres, des livres, des livres, des livres. J on était on, un, un, dans un quartier pauvre, dans une maison pauvre, dans un logement pauvre, il y avait, on était comme, notre logement pauvre était comme une bibliothèque. C'était ça, il y avait des livres. Mais non seulement il y avait des livres, mais elle nous obligeait à lire. Elle nous obligeait, les enfants. On jouait au hockey une heure, il fallait lire une heure et demie. Et on lisait, puis, fait... puis on s'est pris au jeu, on s'est pris au jeu de, 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 de tout ça. Ce qui veut dire qu'on était relativement cultivés, je dois le dire. Euh, parce qu'on lisait de l'histoire, on lisait de la géographie, on lisait des romans, on lisait de... Et c'est là que j'ai pris ma manière de, 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 sans le savoir. Là. Je n'ai aucune idée que c'est ça qui est en train de se produire. Mais plus tu lis, plus tu vas savoir comment il faut écrire. Plus tu vas savoir comment. Plus tu vas reconnaître une phrase mal faite. plus tu vas... Enfin, bref, euh, on faisait de l'éducation sans, sans le savoir. Donc, j'ai été élevé donc, dans un monde complètement original. On ne savait pas que c'était original. On ne savait pas. Puis on n'en faisait pas de cas. Ma mère ne, ne, ne faisait pas de cas qu'on avait des cours de religion à l'école. Elle, 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 elle s'en foutait, elle n'a pas milité pour qu'on n'ait pas des cours de religion. Elle a pas de, elle a pas... Tout simplement, quand on venait, elle disait que c'était tout faux, ce qu'on avait appris. Puis euh, elle défaisait ce qu'on apprenait, puis euh, etc., etc. Bon, il n'y avait pas de drame, il n'y avait rien de souligné. Puis j'étais. on était extrêmement heureux quand on était... On était bien élevés. Moi, moi, moi je pense que j'étais dans les circonstances qu'on a, on on a, on a été très, très bien élevés. Ce qui fait que par la suite, comme quelqu'un qui est en sciences humaines, quelqu'un qui est anthropologue, quand je regarde la société, ça m'a beaucoup servi. Parce que quand on fait des études statistiques, quand on n'arrête pas de, 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 de raconter euh, euh, toutes sortes de choses sur qu ce que c'était que la société canadienne-française, qui étaient ces gens. J'ai entendu bien des bêtises parce que mes, mes parents étaient réels, étaient très concrets, puis ils n'étaient pas tout seuls dans la vie. Mon père avait des amis qui pensaient comme lui, qui faisaient comme lui. Pis, alors ça correspond pas du tout à l'homme canadien-français de la grande noirceur. Ma mère correspond pas du tout à la canadienne-française de la grande noirceur. Et, donc il y avait des forces qui évoluaient, qui étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on a retenu. Euh, de alors, c'est une, une leçon d'humilité pour, un, pour un sociologue ou pour un anthropologue quand on regarde une société. Méfiez-vous, il, il y a des pelures d'oignon, il y a des pelures d'oignon, il y a toutes sortes de. Euh, de, de... Et, et, et pour moi, ça a été un milieu favorable. C'est-à-dire que ma mère euh, puis mon père n'ont euh, pas, pas eu de prescription. Mais comme l'éducation était la religion, ils n'ont vérifié que cela. À savoir qu'on était à l'école. Autrement dit, sans faire de farce, ma mère nous a déjà dit, parce qu'elle était, elle avait une, une éthique assez particulière, elle nous avait dit Vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez mentir, je vais toujours vous protéger. Je vais vous cacher, je vais vous protéger. Mais si vous lâchez l'école, je vais vous tuer. C'était ça, ça. C'était ça chez nous. J'ai un frère qui est docteur en géologie de l'Université McGill. Euh, J'ai eu un doctorat de l'Université McGill, euh, mes autres frères, ma sœur ont été éduqués puis ont eu euh, une belle formation pour des gens qui n'avaient pas d'argent puis qui se sont saignés à blanc. Alors, c'est des générations illettrées qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école qui vont, comme tu soulèves des poisées et terre, qui vont se crever pour que leurs enfants aillent à l'école, puis ça donne ma génération. Euh, donc, je dois beaucoup, euh, je dois beaucoup à, à, à ce genre d'environnement, à mes parents, puis à, à l'environnement, puis aussi à la foi qu'ils avaient dans l'éducation. Ça, ça, ça a tout changé. T'sais. Ils ne voulaient pas qu'on soit chauffeur de, de camion. Mais j'ai joué un, un tour terrible à mon père. Parce que quand je reviens, puis je me dis je fais une thèse de doctorat en anthropologie sur les camionneurs mon père, j'ai des malade. Déjà qu'il avait trouvé ça curieux, que je travaille chez les sauvages. Tu sais, quand il disait mon fils travaille chez les sauvages, ce fait que je ne sais pas, mais il travaille chez les sauvages. Euh, là, c'est camionneur, malheur. Mais ça a été l'homme le plus ému au monde ce qui était à ma soutenance de thèse à l'Université McGill, dans le décor victorien avec les boiseries victoriennes euh, où il était jamais rentré là. Lui, il, était, il, a, il rentre là, il était à l'Université McGill dans ça se peut pas puis c'est son fils puis c'est sur les camionneurs en plus lui il était cent fois plus fier que moi mais j'étais fier évidemment quand lui quand ils m'ont annoncé que j'étais docteur en anthropologie mais mon père il était euh, c'était la c'était la vengeance sur la vie il était vengé de la vie et puis ça a été un bel honneur pour lui parce que en fait, je refais chez les camionneurs ce que j'avais amorcé chez. Parce qu'il y a une autre dimension qui s'ajoute. Quand j'ai commencé à travailler chez les Indiens, Innu, Montagnais, non seulement l'anthropologie n'existe pas, mais les Indiens sont un sujet insignifiant. Ce sont des gens insignifiants, sujets insignifiants. On s'en fout des Indiens. Il n'y a rien à dire, ces Indiens. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas intéressant, c'est sans intérêt. Et là, c'est une mission pour moi, ça a été de, 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 de rendre intéressant et de, de mettre au premier plan l'indianité. La condition, la culture, les cultures amérindiennes, c'est très important. C'est en nous, c'est pour nous, c'est notre patrimoine, c'est pour tout le monde. Et, et, et j'ai développé une sorte de passion pour ça réhabilité. Quand je suis arrivé chez Les Hinault, la première fois de ma vie, j'étais je, 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 jamais sorti vraiment de Québec puis de Montréal, donc c'est un urbain de Montréal et de Québec, et je prends l'avion, 1969, je prends l'avion, les Ailes-du-Nord, je débarque à… il n'y avait pas de route pour s'en rendre à Mégane. il n'y avait pas de route à l'époque, et je suis rentré en avion, en DC3. Donc, je suis dans une autre époque, là. Des avions à Hélice, DC3, les plus beaux avions qu'on qu ne peut pas imaginer. Là. Bon, on va bon, il y allait à peu près à 2000 à l'heure dans le ciel. Il, il atterrit là, au nord. Je descends, puis il y a un, il y a un type qui me. Je, je prends pas un taxi, mais je demande un, un pick-up, un, un camion. Pouvez-vous me conduire à la réserve indienne? Le type m'amène, puis en chemin, il me dit que, ce que, que, que tu vas faire dans la réserve indienne. Je dis, je m'en vais apprendre la langue. Je ne pouvais pas lui dire que je suis anthropologue. Là, je, 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 ça aurait pris deux heures à y expliquer. Mais euh, je m'en vais apprendre la langue. Puis là, il me répond Voyons, ben, ben, tu, tu, tu vas rester deux jours. Il n'a pas de langue. Ils ont juste trois, quatre sons. ils disent toujours les mêmes choses. Là, il est en train de me dire qu'ils n'ont pas de vraie langue. Puis, ça ne sera pas long, c'est juste trois, quatre sons. Donc on voit là les niveaux de d'où tu parles. Mais j'étais frappé que quand je suis arrivé chez les camionneurs, puis j'avais de l'université McGill, j'avais mes autorisations de chercheur, puis je me suis présenté dans une compagnie de camionnage en Abitibi, puis j'ai donné ça, je dis je veux voyager avec des routiers. Le type me dit il est gérant de la flotte là. Il me dit tu veux étudier les routiers, les chauffeurs. Il dit Tu vas feras pas ça pendant bien ben longtemps Il dit Ils parlent pas. Ils sont muets. Ils sont tous Ils n'ont rien à S'il y a quelque chose de pas intéressant, c'est bien un chauffeur de van. Ça, c'est le bas de la. sais, tu mettrais un singe, là, c'est pareil. Ça chauffe une vanne. J'étais frappé par la similarité des, des, du mépris. Le, le, le chauffeur de, de pick up qui dit les Indiens ça ne parle pas. L'autre qui me dit, les chauffeurs, ça ne parle pas. J'avais passé cinq ans chez les Inno en ethnolinguistique, ethnosémantique. En... Voilà. Là, j'arrive chez les camionneurs. J'ai trouvé ça très méprisant. J'ai commencé à, à rouler avec des routiers. J'ai eu 35 informateurs, à peu près 35 routiers. Pendant deux ans, j'ai été sur la route. Et qu'est-ce que je découvre pas? Des gens qui sont des poètes, des philosophes. Des sages, toutes sortes de monde, des gens profonds, des gens, bien, évidemment, une proportion de superficielle puis de, puis, de, puis, de, puis de problèmes, mais je découvre un monde, un puits sans fond. Donc, j'étais deux ans sur la route, mais encore une fois, je profite du contexte de la Baie de James et de toute l'euphorie des travaux dans le Nord, c'est l'ouverture du Nord. Je voyage entre Montréal la Baie James, le nord Ontario jusqu'au Manitoba, le, 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 le Labrador. Et je découvre un monde et, le, et en même temps, je découvre comment je vais pouvoir l'exprimer, ce monde. Comment je vais exprimer, écrire cette ethnographie, cette thèse. Parce que là, c'est un défi colossal. Est-ce que je reste dans l'académie? Mais c'est une thèse de doctorat, il faut bien que ça soit académique, il faut, faut, faut que je respecte l'académie, mais en même temps, comment j'innove à l'intérieur de l'académie pour arriver avec une thèse de doctorat qui, qui fasse honneur à ce type d'ethnographie. Donc, de plus en plus, à cette époque, je fais une anthropologie subjective. Une anthropologie où la médiation, où je suis le, le médiateur. De la... Donc, c'est un débat, d'ailleurs, dans la méthodologie euh, anthropologique à, à l'époque. Alors là, j'ai un souci, et je termine là-dessus. Je sais pas. Il a personne. Qui va me guider là-dessus Ça me prend un directeur de thèse. Qui va me comprendre là-dessus Parce que déjà, je sens que les anthropologues me regardent en me disant :« Mais es tu es malade. Travailler sur les routiers. Travailler avec une méthode comme ça. Euh, t'en vas où là Tu t'en vas où avec ça ?» Et c'est là que j'ai décidé de travailler avec. Il y a un nom qui est apparu euh, Bernard Arcan. Je dis, je vais travailler avec Bernard Harkin, qui n'est pas beaucoup plus vieux que moi à cette époque, mais qui vient d'arriver à l'Université McGill, qui est professeur à l'Université McGill, et il y a un charisme autour de son nom. Je l'ai pas, pas rencontré encore, mais on sait qu'il a étudié à Cambridge. Il y a un doctorat de Cambridge. J'ai déjà vu un film ethnographique sur lui, que la BBC a tourné sur lui en Amazonie, chez les Cuivas. Tu Puis ça, il, il y a de la couleur anthropologique, là. Mais c'est magique. Mais en plus, il a marié une Danoise à Cambridge, il a enseigné à Copenhague, il parle le danois, il revient au Québec, il enseigne à McGill. Puis c'est les Arcans. Alors, j'ai été le voir, dans toute humilité, le, le petit gars de là, qui, qui, qui sort des camions puis qui veut travailler ses camions, ça en va voir Dieu Arcan, Bernard Arcan, euh, qui a travaillé l'anthropologue, l'archétype de l'anthropologue de l'époque.